Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Minute Tips consacré au set Grime Effect de Live Color. Ce set va vous permettre de réaliser sur vos dioramas des effets de moisissure ou d'humidité. Je vous propose tout de suite de découvrir en détail le processus de réalisation de ces effets sur une portion de mur. La qualité d'un diorama réside tout autant dans la mise en scène et la mise en valeur de véhicules et de figurines que dans les décors et la richesse des détails. Regardons ensemble les étapes afin de réaliser des effets d'humidité et de moisissure sur une portion de mur en styrofoam. Pour ce faire, nous allons utiliser le set Grime Effect de Live Color, un pinceau ainsi qu'une brosse, une brosse plate, et de l'eau du robinet. Pour réaliser ce type d'effet, ainsi que des traces d'humidité sur ce mur, nous allons utiliser ces différentes teintes. Tout d'abord pour les traces d'humidité, du Brown Green, la référence UA748. Les acryliques Live Color étant solubles à l'eau, il nous sera permis de fondre et de réaliser des effets de glacis. D'abord en prenant un peu de peinture et en la disposant de la sorte, en réalisant quelques traînées et ensuite en tirant cette couleur vers le bas avec votre pinceau brosse, vous allez pouvoir réaliser des premiers effets d'humidité. Traces d'humidité le long du mur. Le temps que la peinture sèche, nous allons commencer à travailler sur cette zone-ci les effets de moisissure. Tout d'abord en utilisant une teinte intermédiaire du Dirty Green. Que nous allons fondre légèrement en tapotant avec le pinceau brosse. Le temps que cette zone-ci sèche, nous allons revenir sur les traces d'humidité, également avec cette teinte intermédiaire qui nous permettra d'enrichir encore notre effet. Nous réalisons de la même façon que précédemment. Et tirons de nouveau notre couleur grâce à notre pinceau brosse. Nos premières couches de peinture sont maintenant sèches. Nous allons commencer par travailler sur les teintes les plus claires pour réaliser les effets de moisissure en utilisant du lime green. De la même façon que pour la teinte intermédiaire, nous tapotons légèrement sur notre décor afin de placer à l'endroit souhaité ces effets de moisissure. Pour fondre ces couleurs, nous utilisons le pinceau brosse en utilisant la même technique que précédemment, c'est-à-dire en tapotant la zone légèrement, permettant ainsi de fondre les différentes teintes ensemble. Pour enrichir un peu plus nos effets d'humidité, nous revenons avec notre teinte intermédiaire, mixée avec un petit peu de teinte claire. Ces peintures étant fortement diluées, nous avons un effet de glacis. Notre teinte ici étant sèche, nous revenons une dernière fois avec notre couleur la plus claire.
enfin, en tapotant, nous réalisons un effet de fondu. Notre peinture est maintenant sèche et notre effet réalisé. Toutefois, afin d'avoir un effet homogène, nous allons appliquer un dernier jus en utilisant la teinte intermédiaire. Nous l'appliquons très légèrement sur la zone précédemment traitée, puis en tapotant avec le pinceau brosse, nous obtiendrons un léger dégradé et ainsi un effet homogène sur l'ensemble des zones. Votre mur est maintenant prêt à être disposé sur votre diorama. Vous souhaitez réaliser cet effet sur vos propres décors? Retrouvez la référence Life Color Grime Effect sur les sites 1001 Hobbies.